Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Je sais que c'est toi. Ra's al Ghul. Tu as laissé faire ce blasphème, ce sacrilège. Tu pensais pouvoir me le cacher? Ta poudre aux yeux n'exemptera pas Gotham de son jugement. Trop tard. Cette ville reste sous ma protection. C'est moi qui vais t'achever. Stay.
peur de mourir. Je préfère garder mon humanité. Mort avant qu'il n'arrive. Ta précieuse famille. Je les égorgerai tous. Et une fois qu'ils auront tous succombé, je réduirai cette ville en cendres. Ça n'arrivera pas. Gotham leur appartient désormais. Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Ceci est un code noir. Ce message s'est envoyé automatiquement quand j'ai détruit la Batcave et tout ce qu'elle contenait. Je sais que ce qui vous attend n'est pas simple. Vous avez tout donné. Je regrette qu'on en soit là. Les criminels de Gotham ne tarderont pas à comprendre que Batman a disparu. Ne comptez pas sur le GCPD. Ils n'ont plus confiance depuis la mort de Jim. Permission d'attaquer. Grenade !
Je vous laisse le beffroi comme quartier général. Le matériel n'est plus de première jeunesse, mais vous trouverez de l'équipement et mes dossiers. Beaucoup d'entre vous connaissez Bruce à travers la rubrique People. Un milliardaire charmant et souriant. Et c'est ce qu'il était. Mais c'était plus qu'une célébrité. C'était mon neveu. C'était un ami. Un mentor. Et un bienfaiteur pour nous tous qui sommes réunis ici aujourd'hui. Et à ceux qui ne le connaissaient pas aussi bien que nous, je veux dire ceci. Bruce était Gotham. Il aimait cette ville plus que tout au monde. C'était un protecteur pour cette ville. Il travaillait sans relâche en coulisses pour faire régner la justice et l'égalité. Il n'y a rien qu'il n'aurait refusé. Aucun projet qu'il n'aurait remis en question, si c'était pour le bien de Gotham. Et en se souvenant de ça, on se remémore Bruce, tel qu'il était vraiment. Vous avez été là quand j'ai eu besoin de vous. Gotham est entre de bonnes mains. Bonne chance. Et adieu. Comment va Alfred ? Ben, à ton avis. Il a mis 3 ans à se décider à prendre des vacances et Bruce meurt. Il lui faut du temps. Il savait qu'aucun de nous n'était là, pas vrai ? Et toi alors ? T'as laissé Jacob Kane faire l'éloge funèbre. Il l'a proposé. Il pensait que ce serait plus simple pour nous qu'il s'en charge. C'est l'oncle de Bruce. Putain de discours. Toutes ces histoires de protecteurs qui travaillent en coulisses. Si seulement ils savaient. Catherine ne serait pas là si elle se doutait d'un truc. J'ai un peu de mal à imaginer la commissaire anti-justicier présider les funérailles de Batman. Il y a autre chose qu'elle ne sait pas. Elle a le corps du meurtrier de Batman dans sa morgue. Ra's al Ghul est inscrit en tant qu'anonyme, prêt pour sa crémation. À Gotham U. C'est quoi l'histoire de ce professeur ?
Kirk Langstrom. À en juger par le dossier à moitié rempli joint au coureur, Batman voulait tout savoir sur lui. Dans ce cas, je me prépare à toute éventualité. Identifier le type de la fac. Kirk Langstrom. D'accord. Je transmettrai en allant à la morgue. Mauvaise nouvelle. Langstrom est mort. Est-ce qu'on sait où se trouve son bureau ? Langstrom est mort ? Attends, je regarde sur le site de la fac. Je l'ai. Son bureau est au 3e étage dans Moulton Hall. Merci bien. Les portes de la terrasse sont ouvertes. C'est parfait. Et voilà. La police n'est pas restée bien longtemps ici. Langstrom a dû mourir ailleurs. Elles sont bizarres, ces traces. Je me demande qui les a faites. J'ai rien de concluant pour l'instant. Je crois que je tiens quelque chose. Je rentre dans le labo par effraction. Ça te plairait, ça? J'ai toujours adoré les entrées par effraction. Même la nuit où t'as déclenché l'alarme? Pardon? C'était toi, je te signale. Je vais voir où mène cette piste. Sois prudent. Toi aussi. Langstrom est mort ici. Le GCPD devrait encore examiner ce labo, mais bon. On dirait que Langstrom a été attaqué à son poste de travail. Il a perdu beaucoup de sang. Il a essayé de s'enfuir. Après quoi, son agresseur l'a cloué au mur. C'est violent. Langstrom est mort en rampant vers ce meuble. Pourquoi il n'a pas plutôt essayé de quitter le labo? Waouh, une porte secrète. Que cachiez-vous, docteur Langstrom? Le thermostat pourrait très bien jouer le rôle de pavé numérique. Un numéro de téléphone. C'est pas l'indicatif de Gotham. Je prends note. Si ce film était important pour Langstrom, sa date de sortie pourrait être utile. Langstrom a spécifiquement entouré ces dates. Je vais les noter. La tablette de Langstrom. Elle ouvre peut-être la porte à distance.
C'est la première fois que je vois un micro-ondes comme ça. Peut-être qu'il se contente pas de réchauffer des burritos. Ça a marché. Voyons quel secret cachait le docteur. Eh bah, c'est dingue. Le suspect de Batman menait des recherches très douteuses. Le bureau de Langstrom. C'est quoi ça? C'est un disque dur. Il y a peut-être des réponses dedans. Je dois l'apporter au beffroi. Eh, j'ai terminé ici. On peut pas dire que les flics se soient attardés. Ils ont loupé des traces bizarres sur les murs et un labo secret. Avec un disque dur encore plus secret. Génial. On se voit à ton retour. L'alarme incendie? On m'en... Qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, sans la présence de Batman, les parias, les autres gangs s'en donnent à cœur joie. Quelqu'un doit leur donner une bonne leçon. Je m'en occupe. Concentrez avec tout ce bordel! Je dois empêcher ces parias de réduire la fac en cendres. Se couche. La température moyenne qu'il faut atteindre pour brûler un truc est comprise entre 210. Hey, regardez-moi, c'est Pyroman. Vaudrait mieux rester caché. Tu mets mon tas à la tête, mon pote. Et sans effort. Salut, toi. On casse tout. Il y en a d'autres à l'intérieur. Oh.
Tout le bâtiment va cramer. Je ferais mieux de me dépêcher. Des otages. Il faut que je me dépêche. Et voilà. C'est incroyable. C'est longue. Je vais rentrer avec le disque dur de Langstrom. Enfin. Au beffroi. J'espère que vous êtes prêts. Allez, dépêche-toi, je vois ce que t'as.